Most people wouldn't be happy to give their name to sadism. But let's just say that the Marquis de Sade wasn't your average person. Set during one of the bloodiest phases of the French Revolution, the new film Sade tells the story of the famed hedonist's stay in Picpus, a sanitarium where aristocrats sought refuge from the guillotine. Director Benoît Jacquot, actor Daniel Auteuil, and actress Marianne Denicourt chat with Canapé about the challenge of filming a world gone mad with revolution. Êtes-vous prête? Je n'ai pas honte de dire que j'ai peur. Obéissez-moi, et vous n'aurez plus peur. Bien, ce film s'appelle Sade, mais ça n'est pas l'adaptation d'une œuvre de Sade. C'est la tentative de faire un portrait forcément imaginaire de celui qui a donné son nom au sadisme et qui était un écrivain français qui a eu une vie extraordinairement mouvementée et qui est pour moi une sorte de, enfin en tout, sinon un héros, en tout cas un personnage exemplaire de ce que peut être la revendication absolue d'une liberté absolue. Voilà. Oui, j'ai été libertin. Oui, tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là, je l'ai fait. Je ne suis pas un meurtrier. Je n'ai jamais bien fait la différence entre la tête et le corps. C'est la possibilité, ou en tout cas cet essai finalement assez risqué, de donner un visage à une idée ou à une notion, puisque le sadisme c'est une notion presque journalistique. Maintenant, il ne peut plus y avoir un geste agressif sans qu'on parle de sadisme. Donc l'idée de faire un film autour de celui qui a donné son nom à cette notion me plaisait beaucoup. Allez, vas-y, que je te suis. Il y a cet échange avec Poignard par là-bas. Et puis tu vas rejoindre le petit devant la scène là-bas. Tout à l'heure. Tu l'as ici? Je pense qu'il est là. Ou alors lui mettre juste le haut, oui. J'ai surtout essayé de me documenter le plus précisément possible sur aussi bien les usages que les objets, les costumes, enfin tout le travail d'un ordinaire, d'un film de reconstitution historique. Mais je me suis efforcé d'être assez précis justement pour que tout le monde qui faisait le film avec moi puisse oublier qu'il s'agissait d'un film d'époque et que tout paraisse assez naturel pour que la question ne se pose plus, quoi. D'une certaine façon, tout costumés qu'ils étaient, les acteurs et Daniel Auteuil en premier, à un moment donné, oubliaient complètement, et nous qui les filmions aussi, qu'ils étaient en costume et qu'ils étaient en train de jouer un film d'époque, ce qui était pour moi la condition première pour que le spectateur lui aussi l'oublie assez vite d'une certaine façon dans le film, et qu'il y ait une sorte d'accès très direct, d'accès de plein pied entre ce film et le spectateur d'aujourd'hui. Alors, en visite? C'est dommage, la jeune prisonnière, ce rôle était pour vous. Je ne saurais pas. Ah, si je prétendais vous forcer, je serais trop semblable à l'image qu'on fait de moi. Ah. Regardez le chevalier. Vous ne trouvez pas charmant? Hein? Je le vois, mais je ne le sens pas. Oui, c'est vrai, il ne vous ferait pas grand mal. Mais personne ne vous plaît ici. Moi, je me mets à part, je suis un vieux galion qui menace de sombrer, mais c'est le printemps, tout ça monte. Ne vous attirez pas, vous allez devenir sèche comme une lune. Vous préférez la vigueur d'Augustin, il doit l'avoir comme un cheval. Hein. Toi, qu'est-ce que j'ai encore dit? Rien que d'aimable. Ah.
Coupe. Allez. Pour moi, parfait. On va en refaire encore. Ouais. J'ai lu beaucoup, pas forcément ses romans, mais autour de sa biographie, autour de. J'ai lu pas mal de sa correspondance, et puis je me suis. Beaucoup angoissé sur l'idée que tout le monde avait une idée, avait son propre fantasme par rapport à Sade. Et puis un jour, du tournage, j'ai décidé de faire abstraction de tout ça et j'ai été étonné avec quelle facilité j'ai pu entrer dans ce personnage. Silence ! Allons. 80 sur 2, première. Comment te portes-tu? J'ai perdu une dent, ça fait mal. Je me demande si c'est pas infecté. Il faut que tu sors d'ici, je suis venue pour ça. Comment? Je sais pas. Je trouverai un moyen, je te ferai évader. Tu es menacé personnellement, je le sais. J'ai encore écrit au comité. Mais pour leur dire quoi? Que tu n'es pas noble, que tu n'as jamais vu tes enfants, que tu n'as pas écrit Justine. Et tout ça ne sert plus à rien, il faut t'échapper. Tu veux me faire sauter par-dessus les toits, galoper à cheval jusqu'aux frontières, m'enrôler dans l'armée prussienne? Non. C'est un rôle un peu en creux. Vous voyez, parce que c'est une femme qui est un peu effacée, qui est très proche de lui, qui lui a sauvé la vie, qui va être effectivement dans sa vie sa compagne pendant plus de 30 ans. De la part de Sade, qu'il ait eu une compagne qui avait elle-même un fils qui n'était pas son fils, il l'a complètement élevé, cet enfant, alors qu'il a quasi abandonné les siens. Et puis, c'est assez surprenant que ce soit... Cet homme-là a appelé sa compagne sensible. C'était absolument... Voilà, il y avait une femme qu'il a aimée dans sa vie pendant 30 ans. Peut-être pas être facile d'être la compagne de Sade, hein. Je n'y serais pas collée. Et c'était sensible. Okay. Bon. Allons. 5, 4, 9, A sur 6, 5e. Je n'ai pas honte de dire que j'ai peur. Qu'y a-t-il de plus fort que la peur, Émilie? Cherchez. Ce mouvement qui vient du plus profond de nous, que personne ne peut nous prendre. Vous brûlez. Les faits à peindre. Joli. Ce mot n'est pas très dans mon vocabulaire. Mais qui oserait dire le contraire? Au départ, c'est une idée de producteur. C'est une idée de Patrick Godot, qui est producteur, avec qui j'avais fait le film Le Bossu, qui m'avait parlé de faire quelque chose autour de Sade. Et il a pensé que Benoît Jacquot était la personne la plus adapté pour faire ce film. Et puis on s'est rencontrés, je ne le connaissais pas, et tout de suite il y a eu une espèce de relation très, très simple comme ça qui s'est établie, et à partir de là tout a été très simple. Au tout départ du projet, avant même que le scénario ne s'écrive, l'idée était de faire un film sur Sade, autour de Sade, avec Daniel Auteuil. Donc tout a été conçu, imaginé, produit, réalisé dans ce... en sachant que c'était Daniel Auteuil qui allait jouer Sade. Inquiétez cet homme, il est perdu. Je suis comme je suis, on ne me changera pas. Thank you.
An icon of international women filmmakers, Chantal Akkerman has been inspiring, pleasing, and infuriating audiences for over 20 years with her radical cinema. Now she takes on everyone's favorite French novelist, no less than Marcel Proust. Her latest film, La Captive, adapts the fifth volume of À la recherche du temps perdu to contemporary France. The diminutive filmmaker talks to Canapé about her recent project and her overall career. It's loosely inspired by remembrance of the lost past from Marcel Proust, and it's the part called The Captive. And it's the story of a young woman living in a young man's apartment. And he's totally obsessed. They don't sleep in the same room. And he's totally, he's in love with her. And in her own way, I think she loves him too. And he's totally obsessed by her. He wants to invade her mind and her body. He wants to know everything about her. And of course, more she escapes. Love is possible if someone accepts that the other is another, I think. Otherwise, it's just, you kill yourself. You kill each other, you know. In a way, he's like a vampire, you know, sucking her blood and killing himself. And he's killing himself because I think he's the captive. She's not. He's much more the captive of his own craziness. It's about an obsession. And I'm obsessed, and I'm an obsessive filmmaker. And also it takes place in an apartment with lots of hallway, corridor, and rooms. And some of my films were already treating that, and you know, it was like my world. Il parlera de langage, de documentaire et de fiction, de juif et de deuxième commandement. Il dira, elle est née en Belgique en 1950, de parents juifs, née en Pologne, et son cinéma est tout imprégné de ça. D'ailleurs, elle en a parlé, l'a montré, a même parlé du deuxième commandement de Dieu, qui, sans qu'elle s'en doute, la pousse à faire des images frontales. Et bien sûr, elle n'est pas contente qu'on dise ça. Ça l'enferme, elle voudrait bien échapper à cette image. Elle se bat contre ça, contre elle-même, souvent. C'est magnifique, cette lutte, échapper à la répétition. Répétition femme, répétition juive, de la deuxième génération, répétition de femmes et de musique de burlesque et de comédie musicale. Il se souviendra de certaines de ses affirmations. Si je fais du cinéma, c'est parce que je n'ai pas osé faire le pari de l'écriture. Il ne la croit pas. Elle fait du cinéma parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle fait du cinéma. Et pourtant, ce n'est pas entièrement faux non plus. When I wrote the script, I didn't know the film was going to be so tense. But when I saw the first rough cut, of course it was longer. I realized already that without the sound, you know, without the music, without anything, it was already very tense. And I pushed it through the editing to make it like really like a cord who could break at any point, you know. And you know, you are like, it starts, let's say, wide, and it's like you are taken like in a, you know, like that, in a way. And I push it. I don't know how to explain how you work because it's so practical. You try, you cut that, you think that will make it work better, and then you realize it's just the other way. You try a music, you think it will be good, doesn't work. Then you try. It's just, it's very, very practical. It's like a sculptor, you know, who does that. Maybe I will look a bit pretentious, but I'm proud of my movie. I'm proud. You know yourself. I have done many, many movies. Some of them I said, okay, it's fine, some less. But this one, I have to say, it was a. I'm proud of it. I don't think I would change anything. When I saw the film finish, I said, I got it. You know, it doesn't happen so often. If Truffaut is the New Wave's humanist, and Godard is its resident wit,
then Jacques Rivette is its consummate magician. For him, the camera is a wand sweeping over illusion and reality. Similarly, actors are improvisers who contribute to his films as musicians do to a jazz composition. His latest lark is Va Savoir, a comic meditation on love today in the City of Light. Director Rivette and his stars Jeanne Balibar and Hélène de Fougerolles share their views with Canapé. C'est l'entrecroisement d'un certain nombre de personnages. Là, il y a six personnages principaux qui, dont chacun a sa propre histoire. Et ce qui crée l'ensemble du film, c'est justement l'entrecroisement de l'histoire personnelle de chacun des six personnages principaux. Je pense que les femmes sont 100 fois plus malines que les messieurs. Enfin, c'est toujours l'impression que j'ai eue moi-même en tant que... oui, en général, oui. It's very often the case in Jacques' films. You could say that women are the what fiction goes through. You know, they allow fiction to develop and in the end resolve. More than men, probably, yeah. Je voulais vous dire, je suis un peu embarrassée pour hier soir. Pourquoi? Vous n'êtes pour rien? C'était plutôt drôle. Vous dites ça vraiment? Et quand Pierre est lancé, c'est difficile de l'arrêter, vous devez le savoir. Il est fou! Justement. Je sais ce que vous avez été pour lui. Pierre ne me cache rien. Bon, j'ai pas été surprise. Je pense que le personnage de Dominique est quelqu'un de très léger, de très... enfin, qui étudie, qui est comme pas quelqu'un de bête, mais qui a cette espèce de naturel et cette espèce de joie de vivre. Je pense que ça fait beaucoup de bien à Hugo à ce moment-là. Et... voilà, je fais un peu la tentation. C'est malgré elle qu'elle séduit. Bon, elle est finalement heureuse de séduire. Et puis, en même temps, elle séduit à la fois plus et moins que ce qu'elle voudrait dans notre histoire. Puisque le personnage d'Hugo résiste à la tentation. Très forte, mais il réussit à résister à cette tentation. C'est, pour moi, c'est la scène la plus dramatique du film. Parce que... Que ferions-nous si nous étions à la place de Monsieur Hugo? On serait très embêtés, comme il l'est. Enfin, moi, je serais très embêté. D'autres personnes, peut-être, se conduiraient de façon plus désinvolte avec cette jeune fille, mais ils auraient... Je ne leur donne pas raison. Mais vraiment, vous ne l'avez jamais vue? Mais non, j'ai pas trouvé la cassette. Mais Arthur l'a vue autrefois. Non. Mais Arthur, c'est vraiment votre frère? À moitié. Du moment que c'est pas votre mari. Je trouve que c'est une énorme chance. Je suis très fière d'avoir travaillé avec Jacques Rivette. Donc je crois que déjà on ne peut pas refuser de travailler avec quelqu'un comme lui. He rang me up and said, do you want to go and have a drink with me? I would like to talk to you about something we'd never met before. And he told me the story. He talked to me about Julia Roberts and how much he loved her. You know, various things like that. And then by the end, he said goodbye, I'd ring you up, and that's what he did. Pour moi, le théâtre est un meilleur sujet pour le cinéma que le cinéma. Il y a énormément
dans l'histoire du cinéma de films qui sont des histoires de metteurs en scène ou de comédiens et de comédiennes de théâtre et leur rapport entre eux et aussi ce que ça implique dans, au contraire dans la vie quotidienne. C'est le père et le grand-père du cinéma, le théâtre, et depuis 2500 ans, alors que le cinéma, lui, n'a juste que 100 ans. Beaches are more than excuses for volleyball. In a long line of films, they're the places where adolescents come of age during summer vacation. The latest French addition to this tradition is Girls Can't Swim by Anne-Sophie Biraud. The first-time director talks to Canapé about how to balance comedy and concern while showing the sexual awakening of two teenage girls. Les filles ne savent pas nager, c'est un premier film. C'est mon premier film que j'ai écrit seul dans un premier temps, puis réécrit avec quelqu'un. Et ça parle de l'adolescence. Ne savent pas nager, ça ne veut pas dire qu'elles ne savent pas flotter dans une piscine. Ça veut dire que dans la vie, ces deux filles peinent à se maintenir en surface parce qu'elles ont tout un tas de difficultés, entre autres familiales. Et elles vivent toutes les deux une amitié très très profonde depuis l'enfance qui va éclater à ce moment-là. Parce qu'il y en a une qui, tout simplement, grandit plus vite que l'autre et surmonte ses difficultés plus vite que l'autre. Voilà. Tu remontes et changes immédiatement. Il y a une surprise pour toi en bas. Lise ! Ah ! Et alors, tu me dis où tu vas quand tu découches ? Ah ben, c'est ma biche, puisque je donne ma biche. J'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes filles, jeunes comédiennes ou jeunes filles qui n'avaient jamais joué, parce qu'à cet âge-là, il n'y en a pas beaucoup des comédiennes. Et à la fin, il en restait une dizaine. Et je les ai fait travailler par paire parce que je pensais qu'il fallait trouver une alchimie entre deux filles. Et quand ces deux filles-là se sont mises à jouer ensemble, j'ai pas vu deux filles qui récitaient chacune leur texte à côté de l'autre, j'ai vu deux filles qui vraiment communiquaient. Il y avait un courant qui passait et en plus elles jouaient une scène assez émouvante. Et moi j'avais envie de pleurer et c'est la seule fois où ça s'est produit. Voilà, donc c'est tout simplement quand elles ont joué ensemble. Two best friends. A lifetime of vacations at the beach. They've shared every summer and every secret. But this year will be different. Tout ce que j'ai essayé de montrer dans le film, c'est un mélange d'instinct de vie et puis en même temps une confrontation avec la mort parce qu'il y a des histoires de deuil. Et j'ai essayé d'adapter tout le temps un double ton qui fait que il y a tout un tas de choses drôles et légères, mais quand on commence à rire, d'un coup, on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a d'autres détails un peu plus graves qui nous en empêchent. Et inversement, quand on commence à se laisser aller, peut-être à être un peu mélodramatique, tout de suite, je casse ça. J'ai essayé d'éviter le mélo à tout prix. Je casse ça par des détails un peu amusants. Donc, on est tout le temps comme sur un fil. Oh, c'est visqueux comme... Un sexe. Là, t'es vraiment dégueulasse. C'est vraiment une vraie pute. Ouais. Bah, c'est ça, mais arrête, tu l'es. Je me suis prise de passion pour la direction d'acteur, ce qui fait que je crois que j'essaierai toujours de continuer à réaliser ce que j'écris. J'ai vraiment eu énormément de plaisir à faire ça. Parce qu'il se produit des instants magiques un petit peu comme peut-être un photographe peut avoir. Il tourne autour de son sujet, il attend la bonne lumière, il passe beaucoup de temps, il cherche et puis tout d'un coup c'est là et clac et on capture l'instant. Et à ce moment-là c'est très très fort et ça m'a fait un peu cet effet-là. Les petites filles ont peur de l'écume comme elles ont peur du vent. Et moi, je voudrais être là
Son peur comme un galet, ramené par l'eau. Mais tu t'es vu, son deck? Et moi, tu sais ce que je voudrais que tu fasses? Que tu foutes tes poèmes de merde dans tes bagages et tu te casses de chez moi.